des Africains qui ont souffert de la traite des nègres, du colonialisme et aujourd'hui opprimés par le néocolonialisme, ont toutes les raisons de vouloir et de chérir la démocratie et le respect des droits de l'homme. Et il appartient d'abord aux Africains eux-mêmes de considérer chez eux des valeurs qui leur sont chères. L'Occident peut les aider en payant à juste prix les matières premières, en effaçant l'ardoise de la dette, en ouvrant ses marchés, en favorisant le transfert du savoir, des techniques et des technologies, et en mettant fin à ses ingérences hégémoniques. Comment la civilisation qui a produit la traite des nègres, le colonialisme, le national-socialisme et Hitler, le fascisme et Mussolini, le franquisme et Franco prétendent-elles apporter sur un plateau d'argent la démocratie et les droits de l'homme à l'Afrique qu'elles méprisent et pillent sans vergogne? Nous croyons à la démocratie dans son acception la plus large, c'est-à-dire en ses principes majeurs qui sont universels. Mais son application pratique doit épouser les spécificités de chaque nation. Celles du Tchad sont complexes. Voilà un pays qui a connu la guerre, qui connaît la pauvreté, les crises sociales, le régionalisme, le tribalisme, les conflits ethniques, la corruption, l'analphabétisme. Voilà enfin un pays en proie aux ingérences extérieures françaises et libyennes et aux injonctions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est tout cela la réalité tchadienne. Elle est, je le répète, d'une extrême complexité. Chaque pays doit aller à la démocratie à son rythme, en essayant de surmonter ses handicaps et en tenant compte de ses réalités politiques, sociales et surtout culturelles.